Vol première classe pour GTA, on se cale à Caillou Perico. Je roule en gros type bestia, j'mets y'a la monde El Rubio. El Rubio, El Rubio, j't'ai vu depuis le Mirador. El Rubio, El Rubio, on va te foutre dehors. Et bonjour à tous les Breakers et bienvenue sur TGS Rockstar Club pour une nouvelle vidéo sur GTA Online pour parler du DLC Caillou Perico. Rappelez-vous hier, je vous avais balancé une vidéo d'une mission qu'on devait faire pour Dave Langlais et les DJ Kane Music. Alors il faut savoir qu'il y en a deux de plus et qu'une fois les trois missions terminées, il y en aura donc trois en tout, vous obtiendrez tout simplement gratuitement la BF Weevil, donc l'espèce de coccinelle, hein, tout simplement. Il faut savoir aussi que pour pouvoir avoir ces missions, il faut avoir fini le braquage au moins une fois, d'après les informations qu'on a pu me transmettre. Je pense à Lançois qui m'avait dit ça et il y en a d'autres qui me l'ont dit aussi. J'ai pas vu le tweet passer de Testou, mais apparemment c'était Testou qui l'avait balancé sur Twitter, j'ai pas fait attention. Donc voilà, apparemment si vous voulez ces missions là que je vais vous montrer les deux dernières dans la vidéo, il faudra tout simplement en fait avoir fait au moins le braquage de Caillou Perico une fois, donc l'avoir terminé en tant que hôte au moins une fois. Ah oui, parce que ça aussi c'est important, il faut que ça soit en tant que hôte que vous l'ayez terminé. Voilà les potes, donc maintenant je vous montre les deux dernières missions et plus comment on débloque, comment ça se passe pour débloquer la BF Weevil. Knock knock, Dave here, we're in a bit of a crisis situation here in paradise. Now the kind of music lads have been hit with a bad case of the munchies, they're after pizza specifically, and only something from the mainland will do. I don't suppose you could see your way to flying some over. Business class. Ok les amis, parti pour la deuxième mission. Pour quelle musique est Dave Langlais? Grab a couple of pies and get them airborne pronto. Let's go. Bon, visiblement, on va faire chauffeur de livraison, encore une fois. Bah, il est pas loin du casino, ils sont sérieux, là. Et on n'a pas le temps d'attendre que tu passes une commande, trouve un livreur, récupère des pizzas à la faire arriver. Waouh, atterrissage à la con. Hop! Nouvelle épisode à l'aéroport de Los Santos. Ok, c'est une blague. Allez, on peut mettre la musique de taxi. Safely in possession? Oh, good. Now get back to paradise. On est par chez nous. Les Caillou Perico, c'est vraiment à côté en fait, quoi. On passer par la barrière. Hein. Do we have lift off? Eh, ça y est, t'es en route. Perfecto! I think young Ramper might be about to pass out at the decks. Ok. Vous avez livré les pizzas de Kane pour Kane Music. Voilà. Bon. Bah du coup on risque d'avoir une troisième mission, j'ai pas de trophée platine. Donc il y en aura peut-être un peu plus en fait, hein. Je pensais qu'il y en avait que deux. Hello my old China plate.
I've got a minor major wardrobe malfunction developing out here on a Costa Del kind of music. Don't ask for details, it ain't pretty. We need some fresh merch flown over ASAP. I figured you'd be the one to make it happen. Ah, all right. Now they're looking for something specific. You know who these geniuses are. That needs to come from curb crawler skateboards. No questions will be asked, I assure you, as long as the goods turn up. Ok les gars, on passe à la troisième et dernière mission pour Kane Music, récupérer les articles de skate. Donc on va y aller. Alors, petite info supplémentaire qu'on m'a donnée. Je remercie Dark. Alors il faut savoir que les missions, quand ils nous appellent en fait, spawn, enfin elles arrivent toutes les 8 heures. Mais alors attention, pas 8 heures in-game, mais bien IRL. Donc en tout, il faut 24 heures pour arriver à faire les 3 missions. Si vous jouez tous les 8 heures quoi. Donc voilà, si vous inquiétez pas si pendant un moment vous n'arrivez plus à avoir la mission qui suit, soit la première, la deuxième ou la troisième, parce que tout simplement il faut attendre 8 heures entre chaque mission, donc ça met un peu de temps. Voilà, donc c'est une petite info supplémentaire et je remercie l'abonné Dark de me l'avoir donné parce que je l'ignorais totalement, parce que moi c'est pareil, j'attendais depuis un moment. Et puis bah, à un moment je me disais, mais merde, mais qu'est-ce qui se passe quoi. Allez, on arrive, rejoignez le Cube Crawler Skateboard. On va voir un peu à quoi il ressemble du coup. Il est garé dans une ruelle. Ouais, il est à côté du pine, du LS Custom. Oh putain, il le verrouille en plus ce con. Ok, ça doit être le machin bleu là. Allez, on va se poser. Voler la camionnette d'article de skate. Okay. On va se poser là. Rien d'intéressant, moi. Ah, c'est con parce que la neige est dessus. Vous avez prévu le truc. Oh là là, la camionnette qu'ils nous mettent avec l'OVNI. Oh mais ils sont sérieux. Vous me direz si vous c'est la même camionnette qui spawn ou si c'est avec un autre motif. Ça serait intéressant de savoir si c'est un pur hasard ou pas, parce que comme par hasard quoi. J'ai envie de dire. Voilà, je vais me faire virer. Ouais bah reste tranquille frérot. On peut des jeux compétences. Ah les enculés. Ah, c'est bon, je crois que je vais se mettre. Ça devrait le faire. Ouais, donc du coup vous me direz si vous avez eu la même camionnette ou pas quoi, parce que alors ça comme par hasard, alors entre le fait qu'on ait une mission près de chez Omega et maintenant la camionnette avec l'OVNI qui représente l'OVNI sous l'eau hein, qui est à Paleto Bay hein, c'est abusé quoi. On va voir si j'utilise le truc ou pas, normalement je devrais pas en avoir besoin. On va tourner là, bon voilà c'est bon, allez, nickel. Allez, direction l'aéropuerto. Allez, on arrive sur place. Oh, tu nous rappelles lui. Airborne? Ah, oh, just in time. Another minute and things are gonna kick off over here. Ok. Allez. Hop. Oula, petit bug. Oula, elle lit vite la voiture. C'était un ovni peut-être. Allez, on est sur place. Vous avez livré les articles de skate. Ok. Donc normalement, on devrait avoir le trophée platine là, non? Comment ça va se passer?
On va voir. Enfin, le trophée, la récompense. Bon, alors du coup, ce qui est apparemment conseillé, c'est qu'une fois que vous avez fini la troisième mission, vous quittez votre jeu, donc vous le quittez hein, complètement, hein, vous quittez pas juste le online, vous quittez le jeu, et vous revenez sur le online, apparemment ça va marcher, donc on va voir, je vais essayer, et puis on se retrouve de suite après. Par contre, bien sûr, je le précise quand même, hein, vérifiez que c'est bien sauvegardé avant de quitter le jeu, quoi, parce que sinon vous allez devoir vous retaper 8 heures d'attente pour refaire la mission, ça serait un peu bête. Hello, sailor. Dave here. Listen, you've pulled all the stops for us over here. And don't think it's gone unnoticed. Now, I'd like you to take my motor for keeps. Shedding worldly attachments, innit? And today, my loss is your gain. Piece of bloody history there. Keys are inside. You are welcome. Ok les amis, on a eu le dernier appel. L'appel ultime. Bizarre, par contre, on n'a pas le point, mais c'est pas grave, je vais vous montrer où il est. Je pense qu'il va spawn quand on va sortir. J'espère que c'est pas bugué. On va aller chercher cette petite BF Weevil. Donc forcément, y aura la vidéo customisation qui suivra peut-être aujourd'hui ou au plus tard demain, parce que je sais pas trop s'il va y avoir du mouvement ce matin au niveau des news sur GTA Online. Donc je vais vous montrer où il est, hein, tout simplement, parce que visiblement le point ne spawn pas. J'espère que ça va pas bugger d'ailleurs. Voilà, elle est là. Hop, bah vous voyez, il y a ça spawn quand on l'a découvert. En fait, Dave vous a laissé son véhicule personnel, vous pouvez le récupérer dans le parking de l'aéroport de Los Santos. Et voilà les amis. On va faire un petit peu le tour, on va l'essayer vite fait, mais de toute façon vous avez vu une vidéo test hein, que je vous avais fait par rapport au véhicule qui allait sortir. Et ben ça fait le troisième véhicule gratuit, donc bon bah voilà, elle est d'occasion. Là, elle est d'origine, avec un petit motif qu'on pourra de toute façon modifier. Hein. Bah, OLS Custom. Regardez-moi ça, bah, ça fait plaisir, une nouvelle voiture gratuite. Bon, c'est sûr, c'est pas un foudre de guerre, mais c'est toujours bon à prendre. Hop, et voilà. Allez, voilà, bah c'est bon, elle est sauvegardée. Attends, c'était testé un peu sous la neige, un peu joueuse, non? Bah, bah, elle manque un peu de puissance, faudra voir une fois custom si elle envoie un peu plus. Le bruit est sympa, en tout cas, j'aime bien. Bon, je prends pas la sortie. Donc voilà les amis, je vais pas vous faire attendre plus longtemps parce que bah la vidéo risque d'être un peu longue vu qu'il y avait deux dernières missions plus ça. Alors moi j'ai attendu à peu près une heure malgré que j'avais quitté le jeu pour avoir la voiture. D'ailleurs vous avez vu, j'ai dû même refaire une mission en fait parce que ça avait bugué du côté de Rockstar visiblement, parce que bah, la première mission que j'avais fait chez Omega m'avait pas été compté. Du coup j'ai dû attendre 8 heures supplémentaires pour pouvoir, parce qu'à la base je devais vous la sortir hier la vidéo en fait hein, dans la nuit là. Et putain, mais qu'est-ce que je fais moi. Et résultat, bah j'ai pas pu la sortir tout simplement parce que bah parce que ça m'avait compté que une mission sur les deux que j'avais déjà faites. Donc voilà, donc elle sortira que ce matin. Moi, j'espère que ça vous plaira. Voilà, petite voiture gratuite, c'est un peu on va dire la vidéo cadeau de Noël pour bah, ce 25 décembre, donc on va s'arrêter là. Et puis je vous souhaite d'ailleurs un joyeux Noël. J'espère que vous avez été gâtés, que vous avez passé un bon réveillon. Et puis voilà, merci encore à vous tous. Parce que moi, bah, mon cadeau, c'est que vous soyez aussi nombreux à me suivre. Là, ça, c'est le plus beau des cadeaux pour moi, pour ma chaîne. C'est une grande fierté et je vous en remercie vraiment énormément. Encore un joyeux Noël à tous, n'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu du soutien les potes comme d'habitude, mais je sais que je peux compter sur vous. Ah, pourquoi pas partager la vidéo, parce que j'ai vu qu'il y avait très peu de personnes qui en avaient parlé quand même sur YouTube, à part GTA Series. Donc voilà, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous découvrez la chaîne via cette vidéo. On se retrouve rapidement peut-être pour des news sur GTA Online s'il y a quelques petits cadeaux. Et puis pour la vidéo custom de cette petite BF Weevil. Merci beaucoup les amis, encore un joyeux Noël et à très vite. Ciao.